Samedi 1er juin 2024, nous avons continué avec dernière information sous programme Parole Humanitaire. Et dans le dossier Parole Programme Humanitaire, donc nous prenons après-midi à la rubrique Information, nous, deux derniers jours, qui ont une augmentation dans le dossier quantité de monde qui approuvé yo. Nous prenons ça et que ça ou même tout qui n'a pas programme non ou capable qui côté au campé et comment dossier quantité moun qui approuvé yo a marché. Mesdames et messieurs, autre point nous prenons ouais également dans vidéo ça, dossier et guerre civile. Les États-Unis menacés pour gagner une guerre civile. Non moment m'a pas la voilà après dossier Donald Trump qui condamné à et nous prenons parler également tout de dossier ça. Donc qui très délicat. Et l'autre, de l'autre côté, nous c'est haïtiens, nous pas qu'à pas connaître ce qui a passé dans le pays, nous, Gérald Gilles Youn, président, sept président, yo, et by tout détail, comment yo t'es arrivé choisi Gary Conille comme premier ministre dans le pays, hein, et qui choix lui-même lui t'es voulu supporter, et est-ce que c'est blanc vraiment qui choisit Gary Conille? Est-ce que c'est eux-mêmes qui fait choix? Mesdames et messieurs, moi fais analyse là, et moi tendez. Si toutefois, sept messieurs ça au cas mettre ensemble, si c'est menti, y a pas espoir pour pays. Tendez ça me dit. Si c'est tout messieurs ça au mettre ensemble pour y a tout bail, on seul menti, y a espoir pour pays. Et première fois jouer sept nèg mettre ensemble y a bail, on grin menti pour y a sept là. Donc si c'est vérité y a parlé, y a espoir pour pays. Vle ou pas, pour moi, Haïti gagne. Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous y est? Moi, espère nous en forme. Si nous regardons la vidéo, ça là. Nous là toujours et nous disons papa bon Dieu qui est dans celle-là. Un gros merci. Qui fait un cadeau? Un jour en plus. Non pas c'est MPH. Zami m'yore le MP, ma belle Eleni MPP. L'autre boule sucre, moi, par contre, qui n'a pas eu bon moi, Vivi prend PPA son plaisir pour me passer, pour me fournir nos informations après-midi. Mesdames et messieurs, soit à peine vini en bas channel YouTube, là, m'encourageons pour faire un bagage, guys. Dégageons, cours qu'on est, cours y abonner. Pour pas jamais manquer information, non seulement abonner, moi encourager au like vidéo en partager le tout côté, si green like la lui-même moi vraiment sensible pour ça. Donc là partager, le fait l'autre monde river joindre nouvelle là, là quitter green like là pour moi ou font façon pour encourager moi pour DMP continuer travail là. Ça veut dire toutes gens ou toujours contribuer non avancement travail là. That's why que moi encourager qu'on y a là, si vous pouvez ko like et puis partager tout côté, s'il vous plaît, fais ça, kounyea. Par respect que pour vous, m'a rentré directement dans le programme Parole Humanitaire là. Deux derniers jours qui sont passés là dans le programme, non deux jours qui sont passés le 28 le 29, il y a encore une augmentation et selon information qui vient joindre moi, m'bra loué et partager ensemble avec vous tout, m'encourage ou même pour capable partager avec un autre ami pour lui-même li capable river gain détail là dans plan mais mesdames et messieurs. Donc tout de suite, sans perdre du temps, n'a passé avec programme Parole Humanitaire. Donc là, n'a prend, je nous habitué prendre déjà, n'a prend quatre derniers jours qui gagnaient, quatre derniers jours qui se passaient yo, et puis n'a regardé comment eu. Donc n'a prend le 28, n'a prend le 29, n'a prend le 30 et le 31. Là, moi en 28 mai, moi en 28 mai qui se passe là, là fin Fontibac, dans 28 mai qui se passe là, yo parlé de yon augmentation de libération conditionnelle moun qui approuvé augmenter la libération conditionnelle approuvé le 28 mai. Donc c'est HNV qui c'est Cuba, Haïti, Nicaragua et Venezuela. Nous toujours gardé plusieurs pays, grand pile bagay qui dit là, après plusieurs jours de confirmation, libération conditionnelle approuvée 28 mai, 28 mai Cuba pour Haïti, Nicaragua et Venezuela, donc yo en mode augmentation. Ça bay en pile espoir ak moun kapten yo, encore yon réponse non kapa yo, mesdames et messieurs. Donc selon information yo, depuis vendredi 24 mai, yo wè et yo wè comment chiffre libération conditionnelle approuvée yo, donc ap augmenté. Augmenter quotidiennement au lieu de diminuer et augmenter. Et comme ça, t'es expliqué, dans l'époque, ça t'es capable, dans le week-end, y'a qu'on baisse, jour férié, qu'on baisse, mais dans le dernier jour, ça y'a augmenté. Excusez-moi pour traduction, mais c'est augmenté.
après descente là et après que ça veut dire excusez-moi ici ça a été gon descente dans weekend là mais après descente là heureusement gen bonne nouvelle chiffre yo semblé yo en voie de redressement malgré fin mois donc bagayo a continué. Analyse libération conditionnelle. S'il est vrai que nombre nouvelle approbation signalée par médias sociaux yo, yo te réduit par rapport à la semaine précédente, chiffre yo resté très positif. Homologation yo et l'homologation capable continuer délivrer nan jou kap vini yo mais en nombre un peu plus restreint. Donc données approbation montre que USCIS a continué accorder une attention particulière nan et a fait suspens depuis janvier. Donc nous pral garder pour nous comment chiffre yo donc jou capable là c'est moun qui a approuvé le 28 là ça veut dire différents cas et moun qui approuvé là nous moun ça son moun qui te c'est yon moun qui te fait application le 27 janvier et puis le 28 mai sorry si me dit janvier mais c'est mai le 28 mai nous capable là qui approuvé nous capable bon l'autre cas là côté moun ça li te fait application le 21 février et nous li a approuvé le 28 mai nous continuer ouais moun ça te fait application le 2 février et puis li approuvé le 28 mai. Nous moun sa li même li te fait application le 14 mai 2024 mesdames et messieurs et li approuvé le 28 mai 2024 là. Pays Venezuela li également enregistré une approbation multiple et quantité moun qui t'est appliqué en novembre 2022 ainsi demande moun en 2023 yo plus particulièrement dans le mois janvier et dans le mois février pour Venezuela. Enfin, bien que Nicaragua li son nombre différent de confirmation et tendance dans le traitement affaire yo simple même gens avec Cuba, mesdames et messieurs. Donc il convient de noter que statistique nicaraguayen yo plus faible car quant à approbation des médias sociaux, yo pas te rapporté par rapport à l'autre pays yo, Haïti toujours bien sûr, donc non tête classement. N'a pas descendre pour ne pas prendre trop de temps parce qu'on connaît ma poue 4 jours ensemble dans une seule vidéo, li très important pour nous descendre et pour nous quantité parole qui approuvé yo non 28 mai. Le 28 mai, n'ap gade l pour Haïti, comment ça y est? Nan ki date yo continue kembe et comment dossier yo ap continue yo même pour pays d'Haïti? Et laissez-moi jeter un coup d'œil si tout bagay clair pour nous. Donc, m'ba vle nou gen krakophonie et m'kwè son bien passé ça. Donc, son nou bien passé, nou gen son nou gen image et puis n'ap continue avec information. Nou fre nou senti bon tout. Donc, make sure que m'toujou bien senti bon. L'op gade information pour gen bon odeur qui monte nan tout nou. Mesdames et messieurs, I'm good. An ale. Donc, j'en ap gade nou la pour Haïti. Yon pays qui yon gen pile respect pour li nan programme Biden nan parce que quantité moun ki approuvé pour pays d'Haïti yon son bagay exceptionnel. Nous jouen le 20 moun qui te fait application nan date wap gade la yon, c'est moun qui te fait application ici, moun qui te fait application nan date yon te fel et quantité moun qui approuvé donc bon à droite. À gauche nous jouen 20 moun qui te fait application 25 janvier, nous jouen 2 moun 25, nous jouen nan 27 janvier, nous jouen 64 moun. Approuvé qui te fait application le 27 janvier. Nous jouons 15 moun approuvé qui te fait application le 28 janvier. Ainsi de suite, moun 30 janvier nous jouons 2, 7 février 2, 21 février 2, 23 février 3, 2 mars 6, 13 avril 1, etc. etc. Donc nous est que dans le reste jou yo, nous jouons une augmentation. Qui ti augmentation nous jouen? Par exemple, guys, ou est ici a, ou jouenon 6, moun qui te approuvé, qui te appliqué le 2 mars 2023. Ou jouenon 4, souvent toujours jouen yon 2, yon 3, yon 2, yon 3. Donc, le 28 vers 10h nan matin, nous te gagné environ 121 haïtiens qui te approuvé, et puis nous te gagné 11 haïtiens qui pat approuvé. Ça, c'était le 28 mai 2024 qui sont passé là. 121 haïtiens étaient approuvés et 11 pas approuvés selon application donc et report sur ça sont amène statistiques ça yo ou bien
donné ça yo, yo te tiré yo vers les 10h nan matin. Donc son application qui connecté à qui CIS capre moun qui approuvé, moun qui pas approuvé et puis bon on report là, moun ko son bon bagay lié. Jean cap senti dans une journée, nou gen 121 moun et c'est seulement dans 10h nan matin, ça veut dire et n'a continué pour la journée plus moun te approuvé. Pour pays Nicaragua et lui-même, il pas gain trop monde qui approuvé et m'pa ba ou li pa gon joue spécial tout prend plus monde pour lui. Si vous regardez là, 14 janvier 2 2 1 3 2 2 3 2 1, vous comprenez? Donc c'est chaque jour, j'en regarder le tout, regarder dans tout mois en même temps. Là ouais dans mois janvier, février, avril, mai, juin, donc octobre, novembre, yo pas dans un mois spécialement. Yo nan tout mois ensemble, le 28 vers les 10h du matin, nous te gagné environ 27 moun qui t'ai approuvé pour Nicaragua et te gon green moun qui pat approuvé. Et les informations continuent, donc nous prenons pays Venezuela et pour Venezuela toujours le 28 mai qui se passe là, nous te joine ici à nous joine 27, en l'air nous joine 121 pour les Haïtiens et là la prend Venezuela, nous joine date pour plus monde pour lui là c'est 11 novembre 2022 parce que pas oublier que lui même il était là avant nous 11 novembre 2022. Venezuela te gon total de 61 moun vers les 10h dans matin qui t'est approuvé. Donc ou quantité haïtien ça s'est doublé quantité Venezuela et en même temps tout yo gon seul green moun qui pas approuvé côté nous même nous gen 11 moun qui pas approuvé en l'air. Nous pral prend pour pays Cuba le 28 mai jusqu'à la jusqu'à 10h du matin. Nous ouais et pays Cuba gagne une date yo mettait plus moun pou li. C'est le 15 et le 16 janvier. Nous jeune 15 janvier 11 moun et 16 janvier 53 moun qui approuvé, 3 janvier 3 moun, après ça il gagne 3 4 1 2 3 3 4 1 2 3 3 4 1 2 3, li gon total de 116 moun qui approuvé pour Cuba et gen green moun qui pas approuvé pour Cuba. Donc nan pourcentage Cuba presque bat nous, nous gen 121 et 11 pas approuvé et yo même yo gen 116 son seul green moun qui pas approuvé pour pays Cuba. C'était le 28 mesdames et messieurs et c'était donné qui était tiré jusqu'à 10h du matin date 28 qui sort passé là. Donc vle pa vle programme nan pa kanpe, nou ka bwa programme nan avanse sérieusement ou même ki nan programme nan pran patience, y a privé sou date pour la quand même. Y a privé sou date pour la. Nou te prend le 28 mai, n'ap pran qu'on y a le 29 mai pour nou comment ça teye, comment bagay yo pralé, est-ce que y a espoir pour ou même un bien qui nan programme nan. Donc c'est même bagay là, ça veut dire augmentation yo, Jean Notlan dit là. Et peu à peu, donc nombre a monté de peu à peu. Progressivement, nombre confirmation a continué augmenter. Chiffre approuvé libération conditionnelle yo 29 mai pour Cuba, Haïti, Nicaragua, Venezuela, yo amélioré quelque chose de surprenant et pour dernier jour dans mois ça. Donc son bail qui surprenant, donc dans dernier jour dans mois ça, ça veut dire que ou joine moun yo vrai message la vini, que yo pas vrai message la vini, gen pile moun en pile haïtien cap continuer approuver dans programme Biden dans dernier jour si la yo. On descend pour nous capable et comment ka approuvé à lui-même lié et le 29 mai nous joine moun sa yo. Donc nous joine des moun ici qui te fait application le 29 janvier 2024 et puis le 29 mai et même moun sa arrivé approuvé. Nous joine moun ici qui te fait application le 29 mai et le 3 avril moun sa te fait combien Mounsa te fait le 4 avril 2024 et puis il a approuvé le 29 mai. Mounsa te fait le 3 avril 2024, il a approuvé le 29 mai. Mounsa te fait le 23 novembre 2022, ça sont cubains, mais Mounsa il a approuvé tout le 29 mai. Pour ba ou seulement quelques exemples et n'a pas des chiffres qui continuent à augmenter. Donc pour les haïtiens, nous joignons là nous toujours en Haïti qui en tête classement. Haïti te gagné yo te approuvé quantité date
yo mettait plus accent sur lui pendant toute période là n'a suivre là c'est le 27 et le 28 janvier donc moun qui t'a approuvé dans date appliqué dans date ça grand pile chance le 27 et le 28 janvier pour les haïtiens nous joignent yo te prend 58 moun qui t'a fait application le 27 janvier yo te prend 12 moun qui t'a fait application le 28 janvier et après dans reste date yo nous joignent 2 3 4 5 6 là nous joignent gain chiffre 6 là le 14 février et gain plusieurs côté yo fait 4 yo fait 2 yo fait 4 yo fait 2 yo fait 6 donc là nous te vinn gen anti amélioration gen 123 haïtiens donc qui t'a approuvé le 29 mai 2024 là jusqu'à 10h dans matin. Ça veut dire que c'est pas seulement 123 moun sa yo, mais c'est jusqu'à 10h dans matin te gen 123 moun qui t'est arrivé approuvé pour les haïtiens. Donc la pour Nicaragua, on pas gétan wè tout pays, toute date yo, tout mois yo, mais te gen 33 moun qui approuvé, pas blio gon communauté qui pi restreinte parce nous. Donc là nous descend pour Venezuela. Venezuela te gon total de 71 moun qui t'est approuvé, yo mette accent sou 22 novembre 2022 pour yo et au tegon total de 71 moun qui t'est approuvé plus yon grand moun qui pat approuvé ça c'est le 29 mai et l'en prend pour Cuba nous jouen Cuba li même mesdames et messieurs la vallée terrain également nous jouen Cuba te gagné 9 moun 15 janvier 62 moun 16 janvier et yon gen chiffre 4 yon gen chiffre 3 yon gen chiffre 2 pour différents jours et dans différentes dates dans mois yon gon total de 121 moun qui approuvé donc Cuba avec Haïti yon côte à côte dans de ces moun kap approuvé donc c'était le 29 mai et il y a trois grands monde seulement qui pas approuvé ça c'est pour pays Cuba le 29 mai continuer déclarer le rete positif vle pas vle ou pas approuvé quand même dans programme Biden là nous praler pour le 30 mai pour nous recommencer le 30 mai donc chiffre yo continue et à monter nous va regarder un moment et pour mettre bagaille toujours dans langue nous donc quand il reste très peu de jours pour la fin du 5e mois de l'année libération conditionnelle approuvée 30 mai arrivé à un chiffre qui est un petit peu plus discret nous pour regarder comment y est et n'a regarder ici là nous joignent pour les haïtiens gagnent deux moun qui approuvé le 26 janvier gagnent 45 moun seulement qui approuvé le 27 janvier gagnent 6 moun le 28 janvier et puis chiffre 2 4 2 4 1 2 3 4 et quelques grains 6 tout dans différents dates dans différents mois yo ça veut dire pas besoin demander dans qui mois yo ou kababoué, yo prend 2 grains dans chaque jour dans chaque comprendre 4 dans février yo prend 2 4 8 OK ou kapwe 8 là qui déjà dans février déjà 8 dans février dans mars ou yo prend 5 dans mars avril ou yo prend 2 dans avril dans mai yo prend 3 et 5 dans mois de mai ça veut dire yo prend un peu dans chaque dans mois de juin yo te prend 2 mois de juillet yo prend 2 et puis dans août yo prend 6 septembre yo prend 2 septembre yo prend l'autre 2 encore fait 4 octobre yo prend 3 donc dans tout mois yo prend quelques green là-dedans yo en tant que monde qui se follow MBH pour comprendre ça donc nous gagnons en total 2 et 110 haïtiens qui t'est approuvé gon bon quantité qui pas approuvé nan date qui t'est 30 mai gen 21 moun malheureusement qui pas approuvé qui recevoir email qui ont pas approuvé même déclaré nan date qui vient là prochainement les m'a garder encore quantité moun qui approuvé a que non la donne pour Nicaragua nous joine c'est comme ça et gagné 28 moun qui t'est approuvé pour Nicaragua gen 2 grains qui pas approuvé pour Nicaragua nous pral pour Venezuela et ouais ou pas prend trop prend pile tout gen 11 pour Venezuela le 22 novembre date qu'on prend plus pour lien gon 8 yo prend le 24 novembre etc. El gon total de 74 qui approuvé donc Haïti toujours était dans 7 classement 74 approuvé et 5 pas approuvé. Pabli m'te dit m'a prend 4 derniers jours yo, m'en rete jou pou m'pran ki c'est 31 mai pour nous garder comment statistique lan le 31 mai combien moun ki approuvé. Jodi an nous c'est 1er juin 2024, donc nous pour aller pour 31 mai mais combien moun ki approuvé nan programme nan. Donc ou kap gonti BC qui fait hier et normalement weekend nan commencé, nous pour aller comment
Donc c'est donc il dit 5e mois lui-même il terminé dans année nombre cubain haïtien Nicaragua et Venezuela et dans libération conditionnelle approuvé 31 mai il aurait été stable en termes de poursuite. Il aurait été stable, ça veut dire il y a pas 3 diminuer ni 3 augmenter. Donc alors qu'en avril, l'Itégan mérite d'avoir été l'un des mois les plus agités en termes d'approbation. Donc mai n'a pas été laissé pour compte. Moi mai a pas laissé pour compte li. Après dernier jour sa yo avec des chiffres légèrement inférieurs, des chiffres élevés et à priorité capable indiquer pour presque tout mois janvier. On nous garde et comment ça y est pour quantité moun qui approuvé yo. Pour haïtien yo nous capable ouais et yo continuer favoriser date qui c'est 27 janvier. Yo prend 63 moun pour 27 janvier 2023, yo te prend 4 moun pour 26 janvier, yo prend 8 moun pour février, 5 moun pour 25 février. Donc yo prend plusieurs, gen 7 là, donc gon augmentation quand même pour Haïti avant même ou t'arrivé plus bas. Donc ou pral gade gon 142 moun qui approuvé dans dernier jour dans mois mai, gen 142 haïtiens qui approuvé, gen 3 grands haïtiens seulement qui pas approuvé toujours non programme Biden non m'pense quand même c'est à noter. Et pour n'a descend pour Nicaragua non jeune que 33 moun qui t'ai approuvé on grand pas approuvé. Pour pays Venezuela nous joine gagnien 58 qui approuvé youn pas approuvé. Et Cuba qui toujours côte à côte avec Haïti nous pral joine gagne 99 moun qui approuvé et 3 moun pas approuvé. Donc dans 4 jours ça yo encore mesdames et messieurs sans parti pris par la donne n'a joine pays d'Haïti li rete nan tête classement nan hein, pays qui gen plus moun approuvé la donne nan programme Biden. Donc ou même qui poko rive sou date pour là moi encourage pour prendre pile patience pas décourager toujours été parler positif vle pas vle m'a pas prouvé quand même yo d'accord yo pas d'accord m'a pas prouvé quand même jou pa nan gen pou rive. Joue pas maintenant, gain pour l'arriver. Seulement, pas sauver qui te mène à jouer. Au contraire, s'il te passe misère avant en Haïti, ou vin approuver dans le programme, dans guys, donc c'est pas la velle. Dis chéri, map devant, mais sûrement wap derrière, m'a fait tout ça qui dépend de moi. L'aime rive pour moi, est-ce que m'ka edo, si m'te ka joun en vie, moun la m'te fait appliquer pour tout. Donc, pas juste rive, sauver qui te le kosa, bagala pas beaucoup ça, Jessica. Zéo Léo, yo dim Jessica tourne, et ou m'a poste dit Jessica tourne, est-ce que Jessica tourne vrai? Yo dim Marie Jessica vrai, Jessica tourne, vin jouer nègla en Haïti, parce que nègla a crié, semble diaspora a dit Jessica, m'pa ge problème fom moi-même. M'ka jwenn plusieurs, tourner à jwenn Marie ou et d'après Zéo Léo, crédit Zéo Léo, m'pa toi, m'pa pa la Jessica, et Zéo m'a posté, m'parler, c'est le samedi de Zéo Léo lui-même lui dit, mesdames et messieurs. Donc Zéo m'espère c'est vrai, parce que nèg pa ka crier pour femme, nan juste là, nan gros année 2024, ou pa ka ap crier pour femme, zanmanm. Il pas fait sens du tout. Pas sauver quitter nèg yo mesdames, tant pri, pas fait ça parce que douleur un garçon, c'est pour tout garçon même si c'est pas pour moi. Mais douleur un jeune homme, c'est pour tout jeune homme. Quitter like en bas vidéo, dis-moi même et puis pendant ou bam green like là c'est que ça dit MP vraiment. Parce qu'on connaît vraiment déjà et m'a grand mesdames et messieurs, nous rentrons dans l'autre deuxième point qui est très important dans rubrique information nous assoir. Nous gagnons et pays les États-Unis qui fait face avec une crise politique sans pareil. Pendant que y a essayé de nous résoudre problème politique par nous, mais y a même problème politique par eux très sérieux. Très sérieux côté que nous avons président Donald Trump, un président qui pas jamais fait erreur. Président Trump pas jamais fait erreur et l'aime tout ça son président pas jamais fait erreur lui-même et tout ça le fait bon. Président gagne à l'élection, il peut dire élection, il pas d'accord. Les États-Unis paraît les dents pile. OK, sous règne Donald Trump là, qu'on veut ou pas, pays apparaît l'aide. Dans yeux international là, pays apparaît vrai l'aide. Très très l'aide. Il y a corruption tout côté. C'est toujours une corruption aux États-Unis. Pas grand côté pas une corruption, mais bagala pas jamais parler comme ça. Avec Donald Trump, bah la prend la rue. Donc bagala prend la rue avec Donald Trump. Donald Trump décrit les États-Unis comme un pays qui plus corrompu dans le monde là. Un pays qui au calme élection, kage élection mais pas bon gain vraiment.
Donald Trump décrit les États-Unis comme un pays qui n'a pas de loi là-dedans, un pays qui n'a pas de droit. C'est comme ça, monsieur, fait payant paraître l'aide. Dans tout journal international, le web gade, il a vraiment critiqué les pays États-Unis qui ont une crise sans pareil. Et qu'on y a là, on a menacé une guerre civile, une guerre civile qui a sillonné le pays là. Parce que fanatique Donald Trump, yo, pas oublier Trump, pas un homme politique. Trump sont homme d'affaires. Qui dit un homme d'affaires dans le monde entier ou est derrière des hommes les plus riches du monde, gon camp mafia qui d'elle. N'a parlé des nègres gros âmes, nègres qui pas faire l'obéir, nègres qui pas tirer, nègres qui pas appel à cartouche. N'a pas nègres ça ou les n'a parlé des nègres plus riches. Parce que l'argent pour gérer l'argent faut gérer monde. Et nèg ki gen kòp gen moun. So, fanatique Donald Trump yo refuse accepter après Donald Trump. Li fin perdu. Et li actuellement, et jugement, yo reconnaît li coupable la don. Fanatique monsieur yo de refuse accepter que Donald Trump coupable. Et yo décide à tout prix yo même pour que yo bataille et yo font crise. Yo touye moun. Et ça ou dit. Et yo annoncé guerre civile dans pays ya, yo annoncé y a tué les juges, yo annoncé y a tué tout monde qui même et t'a protégé juge qui condamné Donald Trump là. Donc pour série de monde ça, la justice li pas au-dessus de Donald Trump, li pas au-dessus de Donald Trump. Donc, monsieur, fait qu'on est que moun qui illégal dans les immigrants, juge la ge pour le croiser, yo rache patikal dans la rue. Et menace sa yo fait yo, yo konne yo pa rete sans puni. Yo pa utilise tout média social. Yo utilise des médias social qui appartient à yo même. Tant que tout social qui pour Donald Trump, tant que patriote, tant que getaway, pondi, yo utilise ça yo pour que yo capable faire menace yo passer entre yo même. Son sorte de mobilisation nan payan pour tout fanatique Donald Trump rencontrer ensemble et puis pour yo faire ça gain pour fête là. Si toutefois la justice sécurité États-Unis pas renforcé, nous cap connait vraiment une guerre civile et en pile moun cap perdu la vie yo. Et à chaque déclaration Donald Trump fait, c'est pour une déclaration piti-piti, c'est des déclarations qu'il fait exactement pour le soulever, mon yo. En quelque sorte, Trump n'a pas perdu. Et malgré que Trump a bataille red là, Trump senti que l'élection n'a pas gagné. Et c'est lui qui est sous pouvoir. Lui qui pouvoir en président gagné. Lui qui ça en président qu'a fait. Et le connaît s'il de la salte a fait. Li kon tout ça pour le faire pour le gon élection. Et Jean le bagay ou pralé là, li condamné en pile fanatique qui t'en dit yo pas voton condamné. Moun qui se fan Donald Trump et en pile moun tout qui note yo même tout yo dit les indépendants yo pas voter un moun qui condamné. Ou bien voter blanc ou bien voter pour Joe Biden. Donc ça veut dire condamnation Donald Trump là qui t'en fait perdu plusieurs électeurs. Et selon Jean journaliste expliqué, c'est pas perdre quelques grands électeurs qui est important parce que bagay yo grave ça qui a passé là. En tout cas, priez pour pays ça parce que bagay yo pas facile, yo très compliqué dans dernier jour ça et ou même qui compte prier, priez pour les États-Unis parce que les États-Unis vraiment menacés, vraiment menacés dans dernier jour ça. Donc, pas prendre ça à la légère, m'voulez partager là avec nous pour ne pas prendre comme on jouette. Menace fanatique Trump yo a fait yo. Yo très sérieux et moun obligé prend yo très sérieux. N'a pas quitté Trump parce que nous même tout nous gen pays et nous besoin qu'on sac passé nan pays nous. Nan émission analyse, nous gen docteur Louis Gérald Gilles, youn nan président nan conseil cette tête là. Et mais docteur Gérald Gilles té nan émission analyse nan métropole. Et monsieur bay des détails
comment gouvernement rive choisi un bien et premier ministre Gary Conning. Et monsieur mettait tout le monde en confiance également. Gary Conning, c'est pas blanc choisi. Bon, c'est son bagage qui est très important. Tout le monde attend pour qu'on ait, est-ce que c'est blanc qui choisit Gary Conning? Eh bien, docteur Ali même lui explique, mesdames et messieurs, c'est pas blanc qui choisit Gary Conning. Donc, Gary Conning, moun qui choisit là, c'est monsieur eux-mêmes qui rive choisit Gary Conning comme premier ministre pays. So, moi fais une analyse. M'pa go aucun problème avec des moun qui pensaient, gens yo pensaient. OK? Mais moi dis, si toutefois, tout monsieur ça, qui composait conseil cette tête-là, si tout se menti, yo met ensemble pour tout baillon seul menti, mesdames et messieurs, m'pense que pays a n'a pas l'on souffre. Parce que nous récits jouent Ananias et Saphira. Oui, nous récits croisés avec Ananias et Saphira. Parce que c'est la première fois pour nous jouer les Haïtiens, mettre tête ensemble pour tout abdire un seul bagaille. C'est la première fois que ça arrive fait dans l'histoire. Nous prenons le temps de ensemble. Comment alors, et Gary Conning l'a expliqué et façon yote rive met tête ensemble pour yote rive choisi Gary Conning comme premier ministre pays. Entendez yon ensemble. Docteur Louis Gérald Gilles, conseiller président, nous comptons recevoir matin. Moi content tout avec vous sur plateau en métropole dans l'émission Analyse qui sont jeunes émissions mais qui guettent rien assez de côte sur l'espace médiatique là. Mais c'est un plaisir pour moi, Marvin, pour me répondre, parce que je me toujours dit, à chaque moment important de conseil-là, nous devons porter parole-là. Ce n'est pas comme porte-parole, puisque dans les jours à venir, nous avons déjà désigné un porte-parole. Nous avons réglé les questions administratives pour que finalement, CPA ait un monde qui est capable d'expliquer à chaque moment important. Mais ils sont toujours nécessaires pour que les membres conseil présidentiel là capable d'arriver sous population pour y parler surtout pour y porter qu'il y a des éclaircies dans le moment qui grand pile nuage et moment ça nous pensait tout nuage presque dissipé puisqu'on avons nous avons désigné choisi un représentant comme premier ministre le docteur Gary Conning et nous sommes certains que n'a pas abouti à 7 février 2026 là, à un nouveau président qui sera lui élu démocratiquement. On a prêté exactement dans ce que je dis là. Le processus de nomination pour éminence n'est pas facile. Et il prend un petit temps pour nous ajuster, nous, pour nous connaître, parce que nous avons lancé une période d'inscription pour que nous avons, bon, je dis inscription, mais dépôt de candidature surtout. Et nous avons abouti à un choix. Mais il y a un pile parler, un pile qui a fait autour de processus. Il y a des gens qui même dit que le choix que nous faisons émané de un paquet de manœuvres qui sont déloyales, tant qu'il y a même dit qu'il y a des conseillers qui t'a même reçu du pot de vin. C'est qui éclaircissement qui a porté sur ça? C'est qui sont capables de dire de processus, comment commencer et qui vient abouti, méthode que nous avons employée pour nous côté de rivière là? Non, très bien. Et comme moi, son membre conseiller, nous vivons chaque jour façon que le processus n'a pas avancé. Mais le conseiller président, donc le pasteur Frinel Joseph, c'est lui-même surtout qui était en charge du dossier. Ça. Et avant que je vienne là, nous refons briefing pour clairement nous expliquer la population comment ça a été. En effet, nous avons reçu 68 dossiers. 68 dossiers et grand pile monde qui était en mettre en tête. Ah, ça sont banalisation qu'il a fait. C'était 200 dossiers. C'était pas vrai. C'est 68 dossiers, c'est 68 Haïtiens qui étaient vraiment intéressés, qui impliqués à problème paysan, qui voulaient participer. Son volonté de participation. Et malheureusement, nous n'avons pas qu'à prendre 68 premiers ministres. Donc, comme il y avait des critères, il y a les lettres d'adhésion à Akola. Dans 68 dossiers, il y a un monde qui n'a pas même une lettre d'adhésion, il vient passer à 23 dossiers. Et de 23, nous gardons toujours dans toute discussion, nous voyons que il y a des critères qu'on a mis, tant que poste de responsabilité, présence au niveau de l'administration publique, participation. Donc, nous venons sentir que dans 23, nous éliminons 10, nous venons à 13. Et
dans 13 ans, nous venons d'iquette. Ce n'est pas possible. Heureusement que c'est normal. Au niveau du CP, il y a trois secteurs qui étaient présentés. Il y a eu Interfroid qui a eu à endosser la candidature de Gary Conné, même si Gary a plusieurs autres secteurs que nous avons adressés, qui étaient portés l'aide d'adhésion, qui étaient désignés Gary, et Dr. Gary Conné. Il y a eu Didier Fizemé comme représentant du secteur privé, et Petite Dessalines qui a envoyé l'ingénieur Fritz Bélizer. Donc, en gros, il y a trois saillots, mais pour ne pas avoir l'impression que il y a l'autre secteur qui était des mondes tout aussi valable. Donc, en dernier moment, nous avons arrêté à Paul-Antoine Bien-Aimé, Gérald Germain et Rodolphe Joisil. Et Mkadjou, en discussion, on a voté. Finalement, c'est nous avons pris Paul-Antoine Bien-Aimé. Puis on s'est dit, parce qu'en principe, on devrait avoir trois. Mais nous dit, non, il faut élargir. Au lieu de trois, nous dit, on a privé la cinq. Donc, au lieu de Antoine Bien-Aimé, en plus de Antoine Bien-Aimé, il y a eu un vote entre Gérald Germain et Rodolphe Joisil. Rodolphe a gagné avec cinq voix. Donc, ça vient de faire que Gérald Germain, qui est un monde qui est très apprécié pour grande compétence, mais c'est le jeu démocratique. On était obligé de venir éliminer le du choix. Donc, finalement, il y a eu cinq intervenants, cinq personnes qui viennent parler. Et je pensais que nous t'ai dit, soit nous faisons par Zoom ou en présentiel, par devant le CP. Et par devant nous neuf, on a eu un débat d'une heure avec chaque prétendant. Et durant ces débats, on aurait que il y a eu, j'ai bien dit, Fritz Bélizer. C'était Fritz Bélizer, Paul-Antoine Bien-Aimé, Gary Conné, Rodolphe Joisil. Non, avant Rodolphe, c'était Didier Fizemé et Rodolphe Joisil. On a fait ça par ordre alphabétique. Mais c'est là comme ça, nous tendons tous les cinq, nous parler avec eux. Moi-même, personnellement, je suis un petit tiraillé parce que. Pour quelle raison? Non, parce que j'ai dit, premièrement, je reconnais la compétence de ces cinq. De ces cinq intervenants, l'ingénieur Fritz Bélizer, par rapport à Jean Nouyen dans CPA, il y a des CP qui sont très proches de lui, par rapport à des CP que nous avons une relation tissée avec lui, et aussi sans son expérience, l'ingénieur Fritz Bélizer. Il y a eu l'intervention, l'exposé de Paul-Antoine Bien-Aimé, a été vraiment magistral. Ça, il faut le reconnaître. Je pense que son monde. Qui peut apporter beaucoup. C'est sérieusement, parce que j'ai beaucoup apprécié l'intervention de M. Paul-Antoine Bien-Aimé, intervention magistrale. Et après Paul-Antoine Bien-Aimé, il y a eu Gary Conné. Il y a eu à faire son exposé en par Zoom. Et c'était encore, tout le monde connaît sa capacité de communication, c'était encore un exposé tout aussi magistral. Et on se disait, parce qu'on doit reprendre après, c'est Didier Fizemé et Rodolphe Joisil. Après avoir entendu Paul-Antoine Bien-Aimé et Gary Conné, on s'était dit, bon, qui ça Didier avec Oro pour le dire encore, pour convaincre nous, parce que ces deux-là, nous étions presque retsouyo. En effet, Didier Fizemé a eu aussi une très bonne intervention qui connaît bien. Il nous a surpris. Les deux nous ont surpris en parlant de Didier Fizemé et Oro Joisil. Donc, il y a eu ces cinq et prétendants que moi-même, j'ai jugé que c'était vraiment important de constater comment. Bon, je regrette que Gérald Germain, même de me tirer hier, parce que moi-même, j'ai favorisé à ces personnalités que je connais qui sont de grande importance. Excusez-moi, je dis en créole, c'est mieux. Moi-même, personnellement, j'ai facilité et Gérald Germain, et Paul-Antoine Bien-Aimé, et Didier Fizemé, et Gary Conné, sans oublier Fritz Bélizer. C'est des mondes que moi, personnellement, je connais au capable, j'ai facilité que j'ai rencontré plusieurs CP. Tu vois? Donc, c'est la situation, j'ai un peu tiraillé. Mais tiraillé, même qu'on est que, et pas question de le meilleur gagne, quand même, son vote libre allié. Mais nous t'ai dit, tête nous, au lieu de vote,
on voit comment nous avons fait ça là arriver long consensus plutôt. On peut faire plus rapide, mais pendant vous ce que vote là monsieur le conseiller président, nous pas arrivé voter, nous choisi. Ce qui s'agari connait il était en plus l'autre monde que dit qui était très bien exposé et dans moment que nous t'a interviewé. Ce qui élément qui démarque Gary Conny de tout l'autre prétendant. Mon cher, c'est une question difficile. Difficile parce que la difficile pour moi pour me voir réponse nette. Mais il faut reconnaître une chose. Gary, son ancien premier ministre, Gary est en fait expérience. Vous comprenez? Et mon cadeau que par rapport à caractère que l'était démontré comme premier ministre, même si c'était moi quoi c'est 3 mois ou 4 mois que Gary était passé, et par rapport à expérience li avec l'international, c'est même bon moi même raison me senti qu'il vient influencer nous toutes, c'est parce que Gary qu'on le veut ou non, li gon bonne expérience, de la parler, l'a exposé, l'a montré, li fait des expériences au niveau de plusieurs pays qui en difficulté, même gens avec Haïti. Plusieurs pays en Afrique, plusieurs pays dans les Caraïbes, où senti que son monde qui gagne assez plusieurs cordes dans l'arc pour le permettre de nous sortir dans la situation. Et en plus de sa compétence. Moi-même, son monde que je connais depuis jeunesse, moi. Mais en même temps, ça n'a pas été facile pour lui. Parce que, qu'on le veut ou non, dès le départ, c'était un grand favori pour le remporter et post-premier ministre. Mais on ne lui a pas rendu la vie facile pour ne pas mettre en tête lui que tout le monde courait ballon blanc. C'est tout de suite. Non. Au contraire, il s'est bataillé, même si, malgré qu'il était à distance, mais maintenant. Le monde étant un village, n'est pas capable, même sous Israël, de voulez goumen. Bon, il s'est vraiment battu. Il s'est expliqué avec plusieurs conseillers présidents. Il s'est aussi expliqué avec plusieurs secteurs. Donc, c'est lui, en effet, je dois le reconnaître, qui t'a fait plus bataille là, parce que c'est durant un mois, monsieur tape travail. Mais il ne faut pas te paraître pour te joindre. Bagay la facile. C'est comme son plateau d'argent. Son plateau d'argent, t'as pour Frilly, parce que nous comptons compétences. C'est une bête de travail, mais il était important pour quand même de faire face à d'autres concurrents. Et il avait vraiment des concurrents majeurs, des concurrents importants. Dans 5 mounsa, youn dans 5 ans, t'es capable vraiment, premier ministre. Alors, j'explique aux gens, Paul-Antoine Bien-Aimé et Patem, Didier Fizeme et Patem, bon, j'ai des rapports assez et privilégiés, j'avais avec son père, et Boulon Fizeme, c'est le père de Didier, bon, que tu ne connais pas vu ton âge. Exactement. Vous comprenez? Mais j'étais quand même ému de voir comment Didier s'en est bien sorti, et moi que monsieur est bien sorti dans le débat, moi, Paul-Antoine Bien-Aimé, Bélizère, et Wowo, c'est normal, Wowo, c'est un ancien président de l'Assemblée nationale, tout le monde savait me penser pour le bien du PCM, et c'est même pas les 5. En dedans, même 15, surtout 15 derniers, nous t'es tiré, surtout 13 derniers, je pense que le premier ministre Gary Conny doit faire appel avec un pile là, qui était là, l'Islam, pour voir comment il est capable d'aider. Utiliser compétences. Je pense que c'est très, très important. Et je pense que lui-même, tout l'a pris compte de ça, parce que l'émission a été, disons, les interventions. Les interviews ont été enregistrées. Moi, c'est là bien pour devoir pour t'attendre capacité que nous avons gagné pour ouais les tuyaux de la réalité haïtienne. Et à ce moment-là, l'avantage, c'est que c'est un homme extrêmement transversal qui vient avec tout secteur. Et me souhaiter le bonne chance. Et monsieur est certain accompagner CPA dans la bataille pour nous réaliser les 5 grands chantiers que nous avons tête nous au niveau de l'accord du 30 avril. Mais il y a un peu de monde par rapport à l'expérience de Dr. Gary Conny dans l'international. Il y a un peu de monde qui fait quoi que conseiller présidentiel ou bien conseiller président ou recevoir pression. C'est l'international qui fait choix pour nous. Dis-nous non, c'est qui vérité bien dans ça? Et je vais dire honnêtement. Au contraire, c'est cette impression
qu'on avait de c'est feeling ça que nous t'ai gagné de Gary Conny qui fait ça tag doit faire Gary perdu parce que tant que moi dit lors de l'interview moi dit docteur Conny je sais que je te connais depuis ma jeunesse tu as une forte personnalité mais tu sais que au niveau des neuf au niveau du CP vous, tu vas avoir affaire à neuf fortes personnalités. Donc, nous serons au niveau du bicéphale 10 fortes personnalités pour diriger le pays. Mais, Gomba Gaïlité dit, c'est la franche collaboration qu'il va avoir avec le CP. Donc, au départ, malgré grand pile là nous qui compte compétence, dont moi-même, nous, il était important pour lui remarquer, au lieu de l'international, au contraire, ça a été créé un petit... Un désavantage? Un petit désavantage pour lui. Parce qu'on s'est dit que c'est l'international qui va imposer Gary. Ouais. Donc, on voulait lui faire comprendre que ce n'était pas aussi facile. Et parce que c'est d'abord une crise haïtienne qui doit jouer nos solutions haïtiennes. Ouais. Ça, c'est clair. Mais attention, attention, face à la compétence de l'homme, et moi-même, m'a dit personnellement, moi, connais, c'est une bête de travail. Ça, c'est pas, il n'y a aucun doute là-dedans. Il y a un compte de doute parce que entre jeunesse et vieillesse. Donc, il y a une fougue assez pour la mettre ensemble avec nous au niveau du CP pour le faire travailler là. Donc, on a passé outre de ça. Maintenant, si ces relations internationales peuvent aider, ce serait aussi une très bonne chose. Pour le pays. Pour le pays. Parce que, qu'on le veut ou non, l'international est un acteur clé. Est un acteur clé. L'échec maintenant de la transition... Ça va être aussi l'échec de l'international. Ce n'est pas parce qu'il a un ancien fonctionnaire, un fonctionnaire de l'international comme Premier ministre. Non, mais aujourd'hui, nous avons au niveau de la gouvernance de cette transition, tous les secteurs, tous les acteurs clés de la crise haïtienne. Et ceci, c'est l'international qui fait médiation entre nous-mêmes, pour permettre que nous, arriver joindre, ça nous joigne comme consensus. Et c'est une très bonne médiation, c'est une très bonne chose, m'appuyer vraiment, gens internationaux, à permettre que nous joignons une solution entre nous. Le CP fonctionne jusqu'à présent très bien, malgré ce temps des mondes, et nous espérons que le docteur Conny va se mettre avec nous, et nous aussi, nous devons nous mettre avec lui pour éviter toute clash inutile. Pour nous permettre de nous accoucher ça, parce que maintenant, toutes les parties prenantes de la crise, y compris l'international maintenant, sont prises, y'ont là la gouvernance là. Donc, c'est quel que soit le monde qui échoue, après, c'est nous tous. C'est nous tous, c'est-à-dire les partis politiques importants, les secteurs importants, le secteur privé était là, est là, la société civile est là. Donc, on pensait que, jeudi, l'international aussi est là. Et me penser que Gary a la chance d'être quand même le trait d'union entre tout ça, puisque qu'on le veut ou non, vu son histoire dans le pays et aussi sa famille. Donc c'est un monsieur très patriote qui connaît bien aussi la mentalité haïtienne, qui a fait aussi, il y fait tout certaines expériences dans le pays. Donc me penser qu'il va donner le meilleur de lui-même pour le bien du pays, et aussi nous, du CP, nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour nous faire transition, ça a réussi. Exactement. Nous connaissons l'étape qui vient après la formation gouvernement. Est-ce que c'est un bagage que CP a fait avec Dr. Gary Conny, qui est Premier ministre, ou bien tout le gagner la lourde responsabilité pour contre lui, pour le choisir même cabinet ministériel? Non. Et c'est clair au niveau de CPA, mais au niveau même de l'accord, surtout... Nous avons toujours dit que tout ça n'a pas fait, c'est selon l'esprit de la Constitution. C'est un bicéphale qu'il a, exécutif en deux. Il y a la présidence représentée par le conseil présidentiel et la primature, le gouvernement, dont Gary Conny est le chef du gouvernement. Mais attention, le chef du gouvernement, c'est lui qui est responsable du choix de son cabinet. C'est-à-dire, il prépare, et lui-même qui l'a pour nommer, choisir ministre de concert avec le CP. Donc d'abord, c'est à Gary Conny, c'est à lui-même qui revenir le droit de choisir son gouvernement. C'est lui-même
qui là pour choisir gouvernement. Et nous pensons que l'a fait preuve de beaucoup de lucidité, l'a comprendre que jodi an, c'est pas une question, c'est pas une affaire de parti politique seulement pour nous, hein. C'est d'abord un gouvernement assez compétent avec des monde qui comprennent que le CP et Gary Conille ont pour mission de réussir cette transition historique qui doit nous conduire à une réforme constitutionnelle et à des élections apaisées, et ceci d'abord par le rétablissement de la sécurité. Donc, je pense que mon cap dit qu'il y a une pression au niveau de M. Conille. Non, ce n'est pas vrai du tout. C'est tout simplement, ça doit se faire de concert avec le CP. Mais il a toute la latitude de choisir son gouvernement et nous-mêmes, nous verrons, nous veillons au grain pour nous voir comment nous permettre que Premier ministre Gary Conille réussisse, parce que réussite, c'est sans nul doute, ça va être le succès du CP, donc du pays. Puisque nous avons bien pour nous faire ensemble, est-ce que déjà vous avez une idée de qui est le président, qui est le ministère? Peut-être que nous avons un scoop là? Non. c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Et bon, on n'a pas encore de nom, parce que on doit discuter aussi avec le PM, le Premier ministre Gary Conille. Mais vous savez, ça qui est important, m'espérer que même CPO comprenne ça, nous pas qu'à prendre des ministères importants pour le monde qui prend l'élection. Donc ça va être très difficile, mais nous connaissons que y a un monde qui prie pour l'élection ou pas qu'à baler au ministère qui a un regard avec les élections. Donc ça va être difficile. Ça doit se faire avec beaucoup d'intelligence, de lucidité, pour éviter que PIA, que un groupe a dit que le senti que lésé par rapport à l'autre. Donc ça ne va pas être facile, vraiment, beaucoup la situation, pour moi, citer nos là. Des noms, mais Mdouli, son monsieur qui travaille, 24 sur 24 pour donc, et c'est sûr que les guettants ont idée de la formation de son profil libéral gagné pour le gouvernement. Est-ce qu'on est capable de dire parmi les gens qui étaient prétendants au poste de Premier ministre, ça a bien là-dedans? Moi, j'aimerais bien. J'aimerais. T'as aimé, il y a des gens qui ont un profil dans le Premier ministre, surtout 5 personnes qui étaient sous table là. Je pense que les 5, c'est des gens qui qualifiaient. Même si ce n'est pas exactement poste ministériel, mais ils ont droit à des postes de responsabilité. Il y a aussi et Gérald Germain, nous parlons avec vous là, qui ont en preuve de grande compétence. Ou Joisy, Antoine Benemier, Didier Fizemé, Bélizer, c'est des gens, je pense, qui vraiment, vraiment comprennent la réalité PIA. Donc, je ne peux pas le faire. L'autre secteur qui part là, attention. Il y a des gens extrêmement qualifiés là-dedans. Donc, c'est pour me penser, c'est lui-même qui pourrait comment il va accorder son violon pour louer, pour nous jouer belle musique, pour nous permettre que nous menions le pays vers stabilité autour à l'ordre institutionnel et constitutionnel. Nous allons observer pour ça dans pas longtemps. Gagné ou mieux qu'à circuler, qui fait qu'on est que a gagné moins ce ministère, c'est-à-dire un seul ministre qui a gagné plusieurs portefeuilles. Est-ce que ça a discuté entre nous dans CPA ou bien nous discuter avec le Dr Gary Conille qui est le premier ministre qui est nommé, qui est officialisé dans le jour passé ou là? Bon, je dois aussi t'avouer on va avoir le premier ministre, et je pense qu'aujourd'hui dès demain, pour discuter avec lui. Son bagage qui est normal, qui était une tendance pour nous dire il faut faire un point de réduit ministériel. Mais, je me rappelle quand même, Marvins, dans l'histoire du pays, il y a un gouvernement de transition qui a un pile résultat dans le pays. Avec, comment il s'appelle, Gérard Latortue. Je pensais qu'il faut nous jouer bien pour, au cours de ces 2 années, même si c'est très court, mais c'est assez suffisant pour nous capables remettre le redressement institutionnel que nous-mêmes, le redressement économique, n'a pas lié. Okay? Parce que je pense qu'il doit prendre l'exemple, il doit prendre l'exemple de Gérard Latortue, qui, quand même, au niveau administration publique haïtienne,
l'été imposé qui est pas le nombre de ministères ou soit le plus grand ou plus petit, mais c'est surtout il y a un monde qui était vraiment implémenté en nouvelle administration. Et d'ailleurs, c'est sous égide d'un pile décret qui n'a pas fonctionné aujourd'hui. Donc, ça mérite d'être modernisé tout autant que nous-mêmes, c'est clair, nous avons bataille pour qu'il y ait cette réforme constitutionnelle. Il faut changer la constitution, il faut refaire parce que c'est vraiment une source d'instabilité vraiment dans le pays. Donc, tâche là pas facile. Et ce n'est pas une tâche pas facile pour me dire pour le docteur Gary Conny seulement. Même moi, c'est la difficile pour nous toutes. Les 9 membres du CP, ainsi que le Premier ministre Gary Conny, qui promettent qu'il va y avoir cette franche collaboration avec nous, un esprit de cohésion permanent pour permettre que nous baillons résultats, parce qu'il y a un pile bagarre qui pour faire le moment difficile que le pays a traversé. Là. Mm-hmm. Nous voilà observé pour ça. L'Endon a parlé d'autres dossiers, tant que. Nous avons conseillé président, il y a bien des chantiers que lui-même est responsable. Est-ce que vous avez une collusion entre lui-même et le ministre? Nous avons bien tout pour nous voir l'autre bagaille. Et surtout, il y a un point qui est essentiel pour nous, c'est Vini Mission. Merci d'être été branché Radio et Télémétropole. Vous avez suivi l'émission Analyse qui passe chaque samedi matin, sorti 9h pour arriver 10h. Jeudi, nous avons une chance, nous avons un privilège pour nous recevoir conseiller président, Dr. Louis Gérald Gilles. Restez sur Radio et Télé, à tout de suite. Avez-vous déjà téléchargé l'application Métropole IT? Faites-le maintenant pour suivre toutes les émissions de Radio et Télémétropole sur votre tablette ou smartphone. Avec l'application Métropole IT, vous pouvez aussi réécouter, quand vous le souhaitez, les principaux journaux de Radio Métropole et les émissions phares de Télémétropole. Téléchargez maintenant sur App Store ou Google Play l'application Métropole IT. Métropole, la source d'information la plus crédible d'Haïti, en action vers de nouveaux horizons. Merci d'être été branché Radio et Télémétropole. Merci à vous-même qui vous sur YouTube. Jeudi, dans le cadre de la première émission analyse pour moi, juin 2024, là, eh bien, nous avons avec nous conseiller président Dr. Louis Gérald Gilles. Nous avons regardé dans la première partie un processus qui baille le Premier ministre. Et nous avons regardé tout, qui relation qui gagne entre le Premier ministre et conseil présidentiel là, est-ce qu'il y a bien pour y travailler ensemble, pour y faire choix, surtout même cabinet ministériel là. Dans la deuxième partie, je t'ai annoncé, avant de proposer là, on a bien pour nous garder les grands chantiers que chaque conseiller président a bien pour responsable, et puis tout, nous pouvons regarder si pas y a trop conflit ou encore chevauchement dans ce qui concernait le travail. Yo. D'abord, Dr. Gilles, conseiller président, donc, ancien sénateur tout, nous sommes capables de dire tout ça. Yo. Dis-nous non, c'est comment répartition en fait? C'est qui ça chaque conseiller président a gagné comme chantier pour période transitoire là? Bon, nous avons déjà déterminé, selon l'accord que nous avons joint entre nous, nous avons dit clairement qu'il va y avoir le rétablissement de la sécurité publique nationale. Mm-hmm. Et ça, c'est un chantier qui est d'extrême importance pour nous, pour moi-même personnellement, c'est le plus important. Mm-hmm. C'est lui-même qui vient pour l'accoucher le CNS, Conseil national de sécurité. Donc c'est un chantier qui est extrêmement important. Et c'est Leslie Voltaire et Laurent Saint-Cyr, c'est plus eux-mêmes qui la question sécurité ça. Mm-hmm. Mais n'empêche, son dossier qui intéresse nous tous les 9 là, parce que nous pensons que le succès de cette transition, c'est d'abord le rétablissement de la sécurité dans le pays. Évidemment. Donc, en principe, comme deuxième chantier, il y a la conférence nationale et la réforme constitutionnelle. La réforme constitutionnelle et conférence nationale sont chantiers que Edgar Leblanc, le président Edgar Leblanc, et Smith Augustin, conseiller président Smith Augustin, mm-hmm. en charge de eux. Mais même là encore, la réforme constitutionnelle, ben c'est pour me dire, au fond, mm-hmm. c'est un peu là que c'est tellement important pour moi, la question constitutionnelle. C'est un peu pour nous faire le plus vite que possible. Donc,
nous serons toujours sur la balle, nous pas négliger rien. Puis gars on monde mettant tête et tout, bon son message me trouver ba OCP pour le penser que c'est lui même seulement pour leur parler de questions ça yo pour parler parce que nous-mêmes nous avons nous dans le secteur nous débat qu'on fait sur question constitution hein, mais conseiller plus responsable c'est Edgar Leblanc avec Smith Augustin. Comme troisième, il y a la question sur la sécurité sanitaire et alimentaire. Donc, sécurité sanitaire et alimentaire, c'est moi-même, Louis Gérald Gilles. Bon, d'abord, c'est d'abord Régine Abraham et Louis Gérald Gilles qui en charge de dossier SAO, qui gagne question santé et aussi question de la crise alimentaire. Qu'on est Régine, c'est un agronome. Donc, la question SAO, il gagne pour le pencher sur YouTube ensemble avec moi. Ou Dion Bala qui est important. Même sous responsable question sanitaire, même si je suis responsable chantier sur la santé, ça ne veut pas dire que je suis obligé à goûter. Avec ministre. À pour mal derrière, il était ministre santé. Donc c'est surtout le ministre de la santé, qui c'est moi qui t'a fait permettre un monde dans le secteur ministre santé, qui c'est l'autre secteur qui baille ministre de la santé. Hein? C'est pas ça, ça ne me regarde pas en tant que conseiller présidentiel. Tu dois gagner une franche collaboration. Il doit y avoir une franche collaboration et une collaboration dynamique. Elle dit que c'est moi qui t'a choisi au monde, qui sont l'autre secteur qui t'a choisi au monde. C'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est comment on fait travail là, parce que aujourd'hui, santé publique là vraiment malade. C'est normal, donc je pense que c'est pour tout répondre, nous, pas qu'à un chevauchement, si on a la volonté de servir ce pays. Si nous avons volonté pour nous servir le pays, nous n'avons pas qu'à une collusion, une bataille pour la question ça. Le redressement institutionnel et économique, c'est Laurent Saint-Cyr et le gouverneur Fritz Jean, vous comprenez, l'économiste Fritz Jean, nous connaissons, qui est très versé dans la question ça. Même pas quoi, moi-même, même si comme médecin naturellement, m'a toujours penché sur la question santé, mais la question économie pays, a, la question renforcement assiette fiscale qui est là déjà, même pas quoi, moi aussi t'as gardé situation à détériorer pour moi-même comme un conseiller président pour m'a gardé ça. Donc c'est pour vous dire que même si on monde intéressé dans tel domaine. Mais nous tous, nous avons assez lucide. Nous sommes impliqués dans ça. La question et pour travaux publics, la question d'assainissement, tout ça, c'est Leslie Voltaire encore, bon, son architecte, c'est normal. Mais nous serons tous impliqués dans tous les dossiers parce que si m'arrive remembrer question santé et puis moi, question économique, là, n'a périclité, donc, comme si c'est lavé, mais je suis à terre. Donc, nous avons pour devoir de garde, de poser pour nous gain pour devoir nous pour nous toujours abveiller poser un regard sur institution ça pour permettre que nous arriver réussir ensemble mais pas oublier même là nous gain dit n'a responsable chantier ça doit toujours se faire de concert avec le premier ministre vous comprenez parce que moi même rien doit un problème moi ouais gain au niveau de la santé publique c'est normal pour si ma pose en action dans ça moi pas bon bien m'a ba un conseil m'pa rien pour me le ministre santé à comme ça c'est d'abord le premier ministre qui lui est responsable de toute action au gouvernement donc dans tout ce qui se fait là et docteur Gariconi a toujours dans cette question pour permettre une véritable collaboration une liaison entre nous-mêmes et le gouvernement moi quelqu'un pour me tourner avec vous sur ça rapport primature rapport et la présidence. Mais excusez, j'ai oublié de noter le chantier de la justice et de l'état du droit. Oui, oui. Ça, c'est le. Il insiste beaucoup. Dans tout exposé, au niveau des 5 exposés des premiers ministres, ils ont chaque fait même erreur. Ils n'ont pas trop insisté sur la justice et le droit, et l'état du droit, sur la réforme judiciaire. Et malheureusement pour eux, le CP Emmanuel Vertilaire toujours dit yo, je ne comprends pas, messieurs. Depuis nous venons à parler, je vois que vous avez négligé le chantier de la justice et de l'état du droit dont il est en charge. Donc, il rappelait ça, regardez, moi-même, tout me venu me faire ça. Et c'est un dossier extrêmement important, le dossier de la justice et de l'état du droit, dont Emmanuel Vertilaire, le maître Emmanuel Vertilaire, conseiller président,
c'est lui-même qui est responsable du tout, et de concert avec Laurent Saint-Cyr aussi. Comme c'est moi qui l'a avec moi, docteur Gilles, bon, je suis sous directement par rapport à... Je connais, ou c'est le dernier monde qui va le présider le conseil là. Et, c'est-à-dire, avant passation, pouvoir bailler l'autre gouvernement. Moi-même, selon l'analyse, je m'estime que c'est une période qui est plus importante. Parce que c'est une période qui a gagné turbulence, parce que pour avoir une élection, capable de gagner, et surtout nous connaissons, après le conseil électoral provisoire monté, a toujours gagné une crise post-électorale, a gagné une crise pré-électorale. Est-ce que vous avez une empreinte ou encore une implication, une participation active dans la question de la réforme constitutionnelle, comme vous soulignez, mais tout dans l'organisation des élections? Est-ce que chantier ça, ou pas le plus impliqué dans le moment que ou a préside des conseils là, ou bien tout, depuis qu'on y a, ou tout là-dedans, ou bien tout, ou pas là-dedans du tout? Non. Ce qui a trait à cette dernière tranche, au niveau de la présidence rotative, pas grand-qu'une appréhension. Ok. Aucune appréhension, pourquoi? Parce que, mon cher ami, Mkadiou, la décision de cette présidence tournante, c'est une sorte de consensus que nous jouons entre nous. Même après appeler population, Cap Gadim là. Au fond, c'est un coordonnateur qu'il y a au niveau du conseil présidentiel. Avec un président vrai, en termes de position impériale. J'ai parlé à un ami et il m'a dit, il a peur de cette histoire de président de conseil de pendant 2 ans, maintenant qu'il a une posture impériale, c'est-à-dire verticale. Vertical. C'est lui-même qui l'a et puis l'autre conseiller en bas. Or, actuellement, ça, non. Vous avez affaire, nous on a fait population à 9 conseillers présidents qui gourmaient pour essayer de jouer une harmonie entre nous. Avant cette histoire de élection, t'es grand pile tichy répite, c'est normal. C'est 9 mondes qui sortent d'horizons divers. Évidemment. Imaginez, on boit, ou alors PHTK, bol, ça, ou j'ai une famille Lavalas, ou bon prenne, ou j'ai une petite Dessaline. Donc c'est normal au départ. Mais je dis, on m'a dit au monde que ce n'est pas Gérald Gilles qui va assurer cette transition, cette dernière tranche. C'est lui, Gérald Gilles, comme coordonnateur, mais c'est le conseil présidentiel. Donc, et m'a tout profité pour me dire, le conseil présidentiel a commencé à comprendre de plus en plus. Ce n'est pas un conseil présidentiel cap là pour faciliter tel ou tel secteur. Que le meilleur gagne. Je vous dis franchement, que le meilleur gagne. Vous avez regardé Maître Vertilaire qui t'a remis. Moi-même, tout me dit envie que Fritz Belizier t'a eu un plus bel score. Mais nous avons compris qu'on fait consensus pour le bien du pays. Et ce sera la même chose lors des élections. Au monde, c'est où qui côté, qui programme au côté, qui projet au côté, qui pour satisfaire population. Et nous pas pour le faciliter ni petite Dessaline, ni famille Lavalas, ni PHTK, ça fait m'a cité ça yo, ni aider et les autres secteurs qui pas dans conseil là tout gain qui gain des grosses pointures. Même si c'était ça yo, c'est les grosses pointures qui en dans CPA, même pour faire vous comprendre, pas gain nous pas rentrer dans logique. On a créé une crise post-électorale. Et c'est peut-être une nambaye qui favorisait et Gary Conny pour devenir Premier ministre, parce que c'est un homme transversal. Au fond, il n'est d'aucun parti. On ne peut pas mettre en tête tout la bine travail. Favoriser un monde pour favoriser un monde pour l'autre. Moi-même, tout, comme président du conseil à ce moment-là, je suis vraiment désolé. J'assumerai mon rôle de coordonnateur et j'assumerai aussi toutes les prises de décision du conseil présidentiel. C'est si là, moment ça, il y a un monde qui a rentré dans la logique ou démarqué le conseil présidentiel. Là. C'est pour ça que j'encourage toujours, c'est pour être ça, je vais encourager toujours le monde qui a un conseil présidentiel là, pour toujours chercher Québec harmonisation qui est entre nous. Ça a été difficile au début, mais qu'on y a nous commencé à chita, nous, on n'a pas pris l'autre, et nous venons rendre compte qu'on peut travailler ensemble, parce que nous rendons compte que l'avenir du pays en dépend. Dépend pas de doute sur ça. Comme nous connaissons dans le temps normal, la présidence et la primature toujours gagnent chirépite. Au content de dire équipe primature, là, l'idée est tel projet, la présidence lui-même, l'idée est tel projet, et qu'on gagne vraiment un hing-hang entre monde primature et monde présidence. Est-ce que nous voyons un bagage comme ça pour lever ou bien tout, même j'en 9 mouns chita ensemble pour gérer la présidence, a gagné même consensus à bon côté primature pour que l'équipe
du docteur Gary Conny, il n'y a pas de trop divers. Bon, nous capable toujours de nous sommes capables de même gens. Mais pour nous adversaire l'autre dans le cadre d'application encore, réalisation, pour nous faire dans le cadre de chantier, nous gagnons pour nous responsables. Est-ce qu'il y a une bonne collaboration, une harmonie entre ces deux équipes? On a parlé de primature et la présidence. Ça, c'est la question pour moi. Pour moi-même, ça, c'est la question qui est la plus pertinente. Parce que, mais au fond, la réponse est là. C'est dans l'histoire de ce pays. Mm-hmm. Je pense que le pays a traversé en pile gros premier ministre, près de 23 premiers ministres. Par exemple, où il y a de gros premiers ministres là-dedans, où il y a Marc Bazin, mm-hmm. Gade en pile, gros premier ministre, Chéri Stal, je ne cite pas mieux parce que c'était bon tout, et Yvon Neptune. Hein. Il y a beaucoup de gros premiers ministres, essayants, mm-hmm. vous comprenez, Gampil, Marc Michel, Gampil, gros premier ministre, qui Jacques-Édouard, Alexis. Mais on a constaté que toujours un échec à la fin entre eux-mêmes, mm-hmm. on clash entre eux-mêmes et la présidence. La présidence. Mm-hmm. Je pense que dans le Carrefour Rivé là, nous gagnons le monde, et encore un gros premier ministre, Gary Conny. Mm-hmm. Donc, je pense que aujourd'hui, j'ai retrouvé un Gary Conny beaucoup plus affable, plus conciliant, mm-hmm. on a beaucoup plus de maturité. Pour le comprendre, dans le cas où ça, c'est humain. Ce sera humainement compréhensible que les cabans vivent, font pas son bagage, et puis présidence là, mm-hmm. conseil président vivent pas son l'autre bagage. Mais après, dit encore, je suis en train de vivre une expérience assez heureuse au sein mm-hmm. du CP. C'est de voir comment 9 tendances tout à fait différentes, mm-hmm. nous avons eu entre nous nos clashs. Nous n'avons pas besoin qu'on ait, oui. Mm-hmm. Ça s'est passé entre nous. Côté que c'est moi-même, que c'est Laurent, que c'est Fridjan. Il y a un côté nous mauvais entre nous. Il y a toujours une divergence d'opinion. Toujours une mm-hmm. donc. Mm-hmm. Mais au fond, nous toujours le pays à Haïti d'abord. Je mm-hmm. pense mm-hmm. qu'à ce niveau-là, et je pense que le docteur Gary Conny a comprendre ça, mais nous-mêmes, tout nous devons comprendre ça. Mm-hmm. Faut nous pas entrer dans la logique tout d'affrontement mm-hmm. avec lui. C'est-à-dire même tout ne pas devoir entrer dans la logique ça, c'est prioriser l'harmonie. Mm-hmm. Bah, tu as vu, c'est un vote consensuel. Il est choisi à l'unanimité. Nous avons des gens qui ne veulent pas voter. Il y a des gens qui ne veulent pas voter. Mais face à la situation, bon image de consensus que nous devons voir. Donc cela va se faire tant pour les postes de ministériel que pour les postes de direction générale. Il faut aller vite parce que c'est vrai, notre majorité, c'est une majorité qualifiée de 5 sur 7. Mm-hmm. Cette majorité-là pourrait constituer une sorte de il a bloqué mm-hmm. fonctionnement. Pour arriver à une 5 nègres pour être nous sous 7, mm-hmm. il a bloqué. Mm-hmm. Mais au fond, la majorité des choix que nous aurons à faire, m'était quoi, c'est consensus la pied. N'a pas joué consensus, nous toujours collaborer ensemble pour yon pas mettre en tête li que la tirer et la taiser bamba pied. Et c'est la clé de notre réussite et nous allons réussir pour le bien de cette population qui a souffert trop, qui gaillé dans la rue, là en sécurité. Les déplacer, mm-hmm. c'est son bagage pénible que le peuple a vivre. Et je pense que c'est coordination, ça, collaboration, ça, qui permet de nous mettre tête nous ensemble avec force qui pourrait venir, sans nul doute. Exactement. Nous parlons pour nous parler de force. Ça, mais bon, mais c'est gardons un bagage avec vous rapidement. Donc, on est depuis quelques temps, tu as gagné plusieurs secteurs qui t'ont essayé de parler avec Dr. Ariel Henry, qui était premier ministre à l'époque, pour nous gagner un exécutif bicéphale. En pile goût, mais fait, tu es arrivé à mettre sous pied un HCT qui est au Conseil de transition. Je dis, ce qui a venir conseil présidentiel là après installation gouvernement ça, est-ce que nous parlons d'un CPT qui a bien même statut avec HCTA, c'est-à-dire Lila, jusqu'à présent pas quelqu'un qui connaît, est-ce qu'il est toujours fonctionnel, est-ce qu'il est là ou bien ou pas là, donc est-ce que pas grand risque pour que conseil présidentiel là en retrait par rapport au gouvernement qui est installé là? Jamais, aucun mm-hmm. risque, aucun risque, parce que le mandat du Conseil présidentiel prend fin le 7 février 2026, lorsqu'on aura passé la cocarde Macronet au nouveau président. Donc, nous connaissons le rôle, ça, c'est un rôle extrêmement important. Mm-hmm.
on parlait de bicéphale. So, tu as trouvé la réponse dans la question ou j'ai une question. J'en pose une question, mais quoi réponse en là-dedans. Dans le sens que un conseil, un principe bicéphalité, c'est-à-dire bicéphale là, le bicéphale veut dire que il y a une présidence avec un premier ministre. Vous comprenez? Et attention, à CTA, malheureusement, il y a des rôles qui n'ont pas vraiment bali, qui étaient revenus de droit en termes de rôle constitutionnel, les prérogatives de l'exécutif bicéphale. Les prérogatives présidentielles. Il est toujours fonctionnel, le baronnet? C'est une question assez difficile parce que, bon, l'essentiel, je pense qu'ils ont servi le pays. Et je pense que ni nous-mêmes, au niveau du CPEC, au niveau du futur gouvernement, je pense qu'il y a un comportement très clair pour nous gagner par rapport à Moun Sayo, c'est-à-dire Mme Maniga, qui était en réserve de la République, nous râler pour essayer de jouer nos solutions, et le pasteur Fleuridor. Fleuridor, et Laurent Saint-Cy, qui maintenant est avec nous au CPEC. Donc, il y a une position très claire à prendre pour un hommage à ces gens-là. Et me penser, ce qui est important, nous-mêmes, dans CPA, nous ne sommes jamais capables, en dehors de la question politique. Nous avons nos prérogatives et présidentielles que nous entendons pour qu'ils respectent. Dans les réformes au niveau des cinq chantiers, nous serons là. Mais ce qui est important, et des deux côtés, il ne faut pas avoir tendance pour nous penser à cochon l'autre. Là. Il ne faut pas faire petit cochon l'autre. Là. C'est très, très important. Depuis nous aller ensemble, en harmonie, mon cher, tout le monde est content. C'est vrai, ça dit, hein, à cause de comment ça s'est passé avec le premier ministre Ariel Henry, quand il y a le monde, même bien que c'est ça qui est l'élan et tout. Ou pas vous dire non mais c'est Mounio ça. Mounio qui a parlé moi me représenter Mounio non, dit Mounio il pas besoin peur parce que garantie Gary Conille gagne c'est nous mêmes et garantie pas nous tout c'est Gary Conille si Gary a laissé aller pour contre lui c'est non doute la échoué. La échoué et pas l'ICA il va c'est échouer. Pas qu'il y a un avion c'est deux ailes c'est si exactement, yon, exactement. Yon aller, c'est peut-être. Deux ailes pour nous aller Donc, depuis que Youn essayait de supplanter l'autre là, il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre parce que, tant qu'on te dit, c'est neuf personnalités très fortes qu'il a. C'est pratiquement c'est des gens qui, dans l'histoire, ont été candidats à la présidence ou bien ont occupé des postes de présidence dans l'administration privée ou publique. Ouais, le pasteur Frinel, par exemple, Joseph, sont monde qui sont pasteurs, qui gèrent plusieurs églises. Donc, sont monde qui connaît que comment présider. Donc, nous ne pouvons pas accepter que le monde vienne pour essayer de faire clash avec nous. Mais nous-mêmes, tout, nous devons comprendre. Le véritable chef du gouvernement, c'est Gary Conille. Nous n'avons pas qu'à rentrer dans la logique pour nous essayer de doubler le tout. Donc, moi, c'est moi-même, de nature, je suis un homme de consensus. Je pense qu'il y a d'autres hommes de consensus au niveau du conseil présidentiel. Nous sommes capables de faire la part des choses pour nous permettre un bon fonctionnement de ce duo et de ce primature et présidence, selon le vœu de la population, taper des réclamés bicéphale. Donc, c'est deux ans. C'est pas même deux ans, c'est 18 mois. Donc, dans ces 18 mois, on n'a pas assez intelligent pour nous collaborer entre nous. Donc, l'avenir du CP est là. Le CP joue à son rôle, nous avons joué au rôle nous pour nous veiller au grain, pour nous aider PM Gary, PM Conille, pardon, avancer et pour le bien de la nation. Exactement. Donc, je dis tout. Pays amendé, nous, ou bien, ils sont devoir pour nous transcender, pour nous arriver délivrer. Dernière question, c'est question force là. Moi-même qui avec vous là dans le studio hein, et en pile monde qui dans la population hein, grande question directe que tu as même posé au bah quand une réponse là c'est qui est force là à entrer dans le pays là pour empêcher encore pour combattre gang yo surtout récemment bon nous déjà entamé mois juin et nous samedi maintenant semaine ça s'est passé là bandi entré dans ensemble de zones tant coup fort national tant coup Solino Delma 24, ils continuent à faire exaction sur la population, hein, sans oublier semaine qui était là avant, gagner des missionnaires qui mourent, parmi eux deux Américains. Donc,
grande question en pile monde tamé connaît est-ce que force ta rentrer jodi an demain après-demain combien dans le mois de juin force lui la rentrer bon c'est même pas le CP le président le conseiller président qui parle c'est d'abord c'est l'haïtien c'est haïtien qui m'y a capri pour nous Marvins. Et cette force la MMS c'est difficile de dire MMS cette force sous le leadership du Kenya nous pensons que yo et nous disons ça nous disons ça pays a jodi en c'est une bataille que PNH l'a fait pendant que son les ressources PNH là en pile il diminuer donc nous besoin force là grand pile appareillage qui vini pour aider force ensemble avec PNH parce que c'est un soutien à la PNH mais moins compte c'est pas une force onusienne même s'il y a eu l'accord l'autorisation de l'ONU pour cette force. Mais nous connaissons que les États-Unis d'Amérique ont pratiquement, eux, ils ont le leadership de cette force. Et là encore, je dois avoir le courage de le dire. Nous ne comprenons pas. Moi, personnellement, je ne comprends pas pourquoi ils traînent ici. Ou au moment de cette date-là, j'ai posé la question. Moi-même, personnellement, j'ai posé la question à la mission kenyane qui était venue là en 2020. Moi, je dis, qui l'heure est venue? Parce que, qu'on le veut ou non, Dr. Ariel Henry bataille pour le déjouer une force là. Bon, au lieu de jouer une force là, c'est l'un cause à l'un des forces et où elle tout était lui-même. OK? Donc, c'est pour me prouver que, depuis 2 ans, nous-mêmes, nous avons goûté pour force à rentrer pour venir aider la police là. OK? On ne comprend pas pourquoi. Jusqu'à présent, pas même qu'à bonne réponse quand est-ce qu'il est à venir. C'est vrai, ils ont même dit qu'il y a une date, ils ont pourquoi dit. Bon, entre nous, ils étaient qu'à dire. Mais j'en profite, nous profiter de moment ça pour demander aux véritables leaders de cette force, surtout aux États-Unis d'Amérique qui prend leadership question, hein, d'arrêter de tourner en rond. Puis au bloquer, c'est trop dilatoire. Il dilate trop la situation. Il faut que yo prenne décision yo pour yo aider ce apédine. Parce qu'aujourd'hui, police là, il est à bout. Les familles haïtiennes sont en deuil. Voilà, même des Américains sont victimes. Je ne comprends pas pourquoi on traîne ainsi avec l'arrivée de cette force. Okay? Mais la semaine dernière, nous avons visité. Est-ce que nous sommes à point? Est-ce que l'espace là est capable de recevoir le premier contingent? Bien sûr, le conseiller et Leslie Voltaire en charge de la sécurité publique nous a fait un rapport côté dit le baraquement, comme on dit, et espace pour recevoir contingent, il est là. Et il y a urgence. Il y a urgence. Parce que, et pas urgence pour me dire, il y a bien tout y est bandit, tout y est gang, non. Mais avec cette force imposante, depuis où les amis là, il y a épaulé PNH là. Il y a épaulé PNH là, dans la bataille pour le faire contre ce banditisme. Même eux-mêmes, ils comprennent la nécessité pour déposer les armes. Mais yo, aujourd'hui, là, ils ont tout dilatoire, ça a fait. En pile bag a traîné, depuis date, ils ont traîné pour venir avec force là. Vous comprenez, nous avons commencé à poser peut-être nos bonnes questions. On prend j'en profite comme conseiller président pour m'adresser un message direct au président Biden. Pourquoi? Pourquoi ils prennent tout ce temps pour venir dans le pays, hein? Moi-même qui suis conseiller président, nous pas même qu'à une date même. Donc il est temps, si au pape vini, si une autre solution qu'ils ont, parce que eux, aujourd'hui, nous le reconnaissons, la police là, a fait tout ça le capable, avec maigre moyen au gain, avec ressources humaines diminuées, avec question Biden, ou humanitarian, bah, on a un programme, non? Donc, pile policier calé, négocier avec Jongue, Yabgou, mais puis maintenir question. Hein? Mais je dis à me penser qu'il est temps qu'ils arrêtent, ok, de nous faire attendre, pour nous faire apprêter tant. Donc, c'est un message très fort que j'envoie au président Biden, que j'envoie à l'establishment américain, si y a fond bagaille pour aider la population sortir dans ça, qu'il le fasse, vous comprenez, parce que le peuple, nous souffrons. Nous pas capables encore. Ça, c'est très important.
pendant regarder vidéo là, regardez à droite, vous voyez un bouton qui est en noir qui marqué souscrire mais ça c'est espagnol. Si tu en anglais, tu as marqué subscribe. Si en français, tu as marqué s'abonner. Cliquez sur bouton ça. Là, fin cliquer sur lui, vous avez un petit cloche bon côté. Cliquez sur petit cloche là tout. Sous petit cloche là, vous avez l'eau abonné automatiquement le passe sous première option. Vous avez flèche là sous deuxième option. Retirez flèche là sous deuxième option, mettez sous première option que c'est tout. Ça veut dire chaque fois mon ton vidéo, vous avez joué une notification. Et puis pas oublier, la gon like en bas vidéo ça.